Nous sommes avec les enfants de Saint-Leu, les écoles de Saint-Leu, puisque la semaine dernière, on a commencé à planter avec les marmailles pour la deuxième année consécutive. Donc, on avait créé l'année dernière la forêt Thibois-Marmailles. C'est un partenariat avec l'éducation nationale. On a voulu créer une aire terrestre éducative. Et on voit bien à l'arrière donc les premières plantations de l'année dernière, un millier d'arbres qui ont été plantés. Cette année, c'est 2000 arbres donc, qui ont été plantés, qui seront plantés, puisque on va terminer cette journée que cet après-midi, par des classes de CM2, donc de Saint-Leu, les écoles des hauts, mais aussi les écoles des bas, pour créer cette forêt qu'on a tant attendue depuis des années. Donc on souhaite créer une forêt ici, sur ce site Le Grand Stella, le projet phare de la mandature, planter 100 000 arbres sur les 80 hectares mis à disposition par la région Réunion. Donc on a bien commencé puisque à ce jour on est à 12 000 arbres de plantés. La fin de cette année, 25 000. Fin d'année prochaine, on serait plutôt à 50 000 et d'ici 2026 à 100 000 arbres plantés sur ce grand espace et par la même occasion créer ce sentier découvert de patrimoine puisque Saint-Leu c'est quand même une commune avec pas moins de 5 musées, donc le Conservatoire botanique des Mascarins, le musée de Kélonia, le musée de la Chaux, le musée du sel et aussi le musée de Stella. Et l'idée c'est de créer en même temps de créer ce projet environnemental, créer un sentier découvert de patrimoine en allant du Conservatoire botanique des Mascarins, en descendant par le sentier Cayenne, en longeant la plage, donc jusqu'à le musée du sel, et après arriver au musée du sel, découvrir des trois musées, musée du sel, musée de la Chaux et musée du sucre par sentier. Rivière, département de la Réunion, je suis responsable des partenariats institutionnels au niveau du plan 1 million d'arbres. Donc le rôle du département aujourd'hui aux côtés de son partenaire commune de Saint-Leu vient marquer la vraie dynamique qui a été scellée via une convention l'année dernière en mars où le département apporte dans sa contribution toute la valeur d'expertise technique dans le cadre du plan 1 million d'arbres, dans un objectif de soutenir la démarche de reconquête de biodiversité que déploie la commune de Saint-Leu sur ce projet du Grand Stella. Donc le département de la Réunion, à ce titre, a financé une partie de l'étude du Grand Stella, a financé une serre qui est sortie de terre il y a maintenant 2 mois, qui va contribuer à produire 100% d'espèces indigènes et endémiques, dont les velléités seront demain de prendre ces plants et de les remettre sur le projet du Grand Stella. Je m'appelle Warren, il a 11 ans, il habite l'école Le Plate et m'a initié pour plantes d'arbres. C'était un palmiste blanc et voilà. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Aujourd'hui, j'ai planté un arbre, c'est un grand natte. Il y a un galet aussi qu'on a fait avec notre classe, de son ami notre nom, notre prénom, le prénom de l'arbre, du coup, le grand natte. Et on l'a donné un petit nom aussi. Ce petit nom, c'est Nadja. C'est moi qui l'a donné. Nous sommes sur le site de Grand Stella, c'est un projet de la mairie de Saint-Leu. Et il y aura 80 hectares, il y a 80 hectares au total. Et souhaitons qu'il y ait au moins 10 hectares qui vont être plantés en plantes endémiques et indigènes. Plantes endémiques et indigènes, c'est de plantes la Réunion, hein, c'est nos arbres à nous. Donc il y aura, bien entendu, il y a toujours sur place des arbres exotiques, hein, pongam, tamarène laine et tout ça, mosaïque, tout ça, vous connaissez, va toujours résister. Hein.
Mais ça, cette parcelle a été préparée pour aller se coller à les enfants de scolariser sur Saint-Leu. Et les associations ont préparé le terrain, la mairie a préparé la parcelle, a dégagé la parcelle avec un tractopelle. Et les associations, ils ont creusé pour que les enfants ne puissent pas creuser aussi, parce qu'un enfant qui creuse, c'est pas évident avec une pioche. Donc il suffit que les enfants y aillent la petite plante et puis ils mettent en terre. Je suis en train de planter un palmiste blanc et là je suis en train de mettre du paillage. Et voilà, ça fait du bien de faire un petit peu la nature, quoi. De protéger un petit peu la nature pour nous aussi, les hommes. Et voilà, ça fait de nous des bons agriculteurs. Donc la parcelle de Stella, donc comme vous êtes voyez, elle est en train de planter, nous a planté, elle a détruit des trous présentés par la bonne association. Donc avant on friche, les tractopelles la passe dedans. Après l'association l'a ratissé. Nous derrière service communal, service environnement, et nous l'a ni pour compléter avec l'association. Et donc il y a une parcelle que Zotiwa est là-bas. Et donc la plante l'a plantée depuis l'année dernière. Et t'es en friche, le bon fatak la monte dedans. Donc t'es un peu rude pour nous. Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui on est sur le Grand Sela, une plantation de arbres endémiques avec les élèves de CM2 de la commune. Moi je suis Dave Fagou, je représente l'association Python sans l'élève la tête. Et le président c'est M. David Virapin. Aujourd'hui, on est là, l'association a préparé à donner un coup de main à la commune pour le projet de la plantation de plantes endémiques, de la forêt endémique sur la commune de Saint-Leu. L'association, c'est une association des emplois verts. Nos agents, on avait commencé à planter il y a 3 ans de cela, et depuis, on n'arrête pas, et ça continue. Jusqu'à maintenant, on a planté 6000 arbres endémiques. Et l'association, c'est une association emploi vert. Il y a une formation dans l'entretien des plantes, pays jazis. Et notre association est contente de contribuer à cet développement durable dans la commune. Je m'appelle Justine et je plante un porcher. Et je voulais faire un truc avec la paille. Moi, je voulais bien entourer, comme ça, c'est bien présenté quand les autres vont me voir. Et si d'autres familles viennent rendre visite ici, ils trouvent au moins bien présenté. Celui qui a planté un arbre a servi à quelque chose sur Terre.